Moi, salue-nous dans nos précieux Jésus-Christ. Je dis à ce moment, grâce encore que le Seigneur a fait nous, nous capables de rentrer la caillou, dans l'auto, dans l'attique, n'importe côté, dans le basement, dans le bel salon, belle cuisine. Bon, pam, souple. Eh bien, nous contents pour nous faire route là, avoir route sanctification, nous faire ensemble parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble. Et si vous suivez moi à travers la radio, non pas moi, c'est pasteur Marc-Édouard Siméon. Et n'a pas rentré tard comme ça dans l'étude là. Étude là, je dis, nous dans 46e, 46e, parce que c'était 47e, mais 46e session de étude là, je dis, n'a pas toujours dans la même étude sur le Saint-Esprit, nous dans 8e leçon dans le Saint-Esprit. Et je dis, nous allons parler du fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. OK? C'est le fruit du Saint-Esprit, je dis, n'a pas parlé. Et nous souhaitons que nous passions un très bon moment ensemble. Et à nous prier le Seigneur. Seigneur, merci de ce que vous faites nos grâces pour nous capables, encore une fois, en percer présent pour tâche ça. T'as pu bénir nous. Permettre que toi, nous puissions passer 40 ans béni. Seigneur Dieu, tout le monde qui va étudier pendant une heure de temps ça avec nous, permettre que nous sortions édifiés, édifiés à salut. Nous demandons grâce au Seigneur. Sans grâce, nous n'avons pas qu'à faire ça en affaire. Mais avec grâce au Seigneur, Paul te dit, je puis tout par celui qui me fortifie, à savoir, ou même l'Esprit, Seigneur Dieu. Animez-nous l'Esprit pendant que nous avons parlé pour vous. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus, à du ciel soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Nous allons entrer dans l'étude là. Très rapidement, et je dis, comme dit, on a étudié le Saint-Esprit. C'est bien sûr, c'est 47e, nous avons fait une erreur de, non, dans la première page là, c'est 47e session, le fruit de l'Esprit. Et nous parlons servi avec matériel ça qui est écrit par Pierre, Yves, Charrière. Et c'est nous avons au moins trois matériels nous considérés. Et nous ne prenons pas là parce que nous ne pas prendre au complet. Parce que l'aime prendre au complet, il fait un cours trop dans l'étude là. Et l'aime prendre étudier au complet parce que moi, je n'ai pas écrit le format que moi fais étude là. Mais nous avons arrêté avec nous sommes faire chop chop dans l'article là. Mais c'est très bon article, qu'on trouve jeune. Et c'est là dans promesse.com. Promesse.com, www.promesse.org. Le fruit de l'esprit, même article ça comme t'es servi. Il t'a écrit en 2000 juin, et c'est un article qui t'a fait pour t'écrire, ok, non, pour mes.com, pour jeûner, et on va chercher le fruit de l'esprit. Ok, qui ça le fruit de l'esprit est? La Bible dit nous dans Galates 5, chapitre 22 et verset 23. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et après ça, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. OK? Si nous tapons compter, nous tapons nous gagner 9 fruits de l'esprit. OK? Même n'est pas 9 fruits, 9 caractères de l'esprit. Et écoutez-nous, ouais, l'apôtre Paul a montré ça avec chrétien Galatio, l'action, l'allégorie du fruit de l'esprit. Paul, c'est un homme qui aime servir avec allégorie. Il faut penser qu'on fait allégorie de chrétien comme un athlète. Mais quand il a parlé du Saint-Esprit, il m'a dit, est-ce que vous pouvez fruit Saint-Esprit? Et c'est ça, la semaine passée, nous avons parlé 9 dons du Saint-Esprit. Ok, parler 9 dons du Saint-Esprit. Mais ça a mon vraiment manifesté dans yo. Et l'apôtre Paul te font camper dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, sous pas gain l'amour, dans yo pas vraiment rien non. Et je dis à nous pour étudier qui fouille le Saint-Esprit. Parce que l'amour, c'est une fouille le Saint-Esprit. Ouais. L'action de l'Esprit dans le croyant a pour but les 9 caractères énumérés dans Galates chapitre 5, verset 22. Bien quelque côté, fait étude, il marque 12 fruits de l'esprit. Et ça avait écrit, pas même écrit dans Galates, il a fait pas
Donc, nous pas connaît que l'esprit fin travaille avec vous, mais n'a prêté dans ça qui énuméré dans Galates chapitre 5 verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est ça qui fait en confusion qu'on y a, c'est que chrétien pas bay fouille, chrétien a manifesté don sans fouille égale confusion. Ça fait en pile fois le monde relé nous hypocrite parce que le monde pas cœur de don, les plus cœur de fouille. Fouille a manger fouille. Ce sont monde qui gagne patience, douceur, amour, ça c'est fouille, il remet le coto. Le la manger fouille l'esprit qui produit qui fouille. L'esprit pour du nom même yo, tout le monde remè yo, tout le monde remè joigne et puis à manger. Mais laissez donc un seul mon bail, ou pas bail fouya, eh bien, ou mettez en confusion. Le choix inspiré du terme fouille est magnifique. Paul reprend le terme que Jean-Baptiste ou le Seigneur lui-même avait déjà utilisé dans son sens figuré. Ni Jean-Baptiste, ni Jésus-Christ, il a servi avec fouille. Ouais, lorsque Jean-Baptiste a parlé dans Matthieu 3, Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il t'a demandé, que ferons-nous? Les nous finissons baptiser, ça qu'on nous fait encore. Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il avait dit, fais bagay qui marchait avec sorrier. Et puis Jésus même dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Ce sont bons arbres qui portent de bons fruits. En plus, fois, Jean moun reconnaît moun kounya c'est pas don. Elle te prie pour moi, m'te guéri oui. Et puis elle fini. Ça veut dire bon Dieu servir moun nan. Il est capable de ça tant qu'observe avec tout. Quand la Bible dit nous pour nous al reconnaître moun c'est pas dans don, c'est dans fruit. Est-ce que il dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Tout bon arbre porte de bons fruits. Yon fruit, ça lié les différents des dons. Et qui accordé à différents chrétiens chaque monde joine pour dans don yo par don yo chaque monde joine à un autre. Par contre le fruit de l'esprit, il va les fruits non, le fruit de l'esprit c'est tout chrétien net qui doit porter le fruit de l'esprit en tout temps. Le caractère du fruit de l'esprit doit dans ou à tout temps. Un chrétien pas qu'à vivre, c'est un corps là, besoin d'oxygène, on besoin de l'eau, besoin. Ok, ou doit gagner tout ça yo, non, ou même, étant que chrétien. Mais ces caractères ne sont pas portés d'une façon automatique. Ah ah, parce qu'on a la chèque à bataille avec vous pour pas développer fruit ça yo. Donc, il faut que ou même, ou entrer dans la bataille là, afin que le fruit de l'esprit soit capable de produire dans ou même. Bon, comme pour l'âme, des conditions sont nécessaires que le Seigneur précise à ses disciples. Même Jean pour un pied bois, Jésus te dit, mais qui j'en pour porter fruit. Tout chrétien qui doit porter fruit, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ouais, c'est ça, oui. En pile monde veut faire manifestation de dons. Et là où est manifestation de dons, il y a un labe, il fait monde. Ouais. La manifestation de dons, il y a un orgueil, parce que c'est. En pile bagay attire moun avèm. Gade Jean bon Dieu servi avèm. C'est ça don yé. Gade Jean bon Dieu a vivre nan moi même. C'est fruit l'esprit à ça. Ouais. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Laisse la parler le fruit de l'esprit. Même Jean en pile fruit fragile et même Jean tout relation avec bon Dieu li fragile. Si nous pas connectés, n'importe fruit ou détaché, li pa dépend de pied bois encore depuis ou retire li nan tige li, et bien fruit a li commencé mourir à partir de ça. C'est même Jean lorsque détaché dans Christ pa gen la vie pour même. Le fruit de l'esprit pourrait-il disparaître? Est-ce que fruit l'esprit a ka disparaître? Mais oui, parce que dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, qui j'en a attristé cet esprit? C'est lorsque la travaille dans vous-même et vous avez fouillé de la chair.
va bailler les œuvres de la chair, tandis que le tableau porte fruit lui-même. Lorsque au pas porté fruit cet esprit, va tristel et au quand même arriver éteindre. Avec du pas prend pièce, ou après sera perdu jus dans le cet esprit. Cet esprit pas une pièce contrôle sur même, il pas nourrir encore. Ouais. Le contexte de cette exhortation indique comment ne pas attrister cet eau divin en nous par une vie qui j'ai nous a fait ça, par une vie droite, pendant qu'on a marché dans l'honnêteté, on a communiqué la grâce de Dieu, et puis nous pas sans amertume, nous pas fait mon mal, et puis dans un chemin de pardon et d'amour, pour pouvoir vivre dans sérénité avec tout le monde, en paix. C'est comme ça le Saint-Esprit, dans la vérité, c'est comme ça le Saint-Esprit est censé gagner joie dans nous-mêmes, c'est comme ça qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et Paul fait voir tout un cœur qui est disposé à la prière, à la reconnaissance, à l'abstention de toute espèce de mal. Lorsqu'il est écrit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ouais, on doit faire tout effort pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. Mais, si tu peux faire, laisse-moi regarder qui Jean chrétien bat pour sauver sans posséder sa lui. Je voulais dire, moi te dis deux mots, ça veut dire moi pas aller dans le ciel. Deux mots te dis assez, c'est comment ça commence route là. C'est dans la persévérance. Non ouais, l'homme on fait convertir qui j'en ai. Jésus dit c'est un coup on grain voyé dans plusieurs terres. Aussitôt, gain quelques terres qui vont partir. Oh mon ça converti. Il commence à marcher. Et puis quand vient les adversités de la vie, ça crive, on dit oh, pas de ça là dedans non. Mes amis, regardez, je vais parler pour Christ, on quitte Christ ça. Ouais, grain ça allait mourir. C'est comme ça lié pour vie chrétienne. Gon grain, il tomber dans la bonne terre, ça veut dire mon était bien quoi, bien assimilé. Mon ça porter des fruits, il porter 30, 60, 100, ça veut dire que mon a produit. Mais l'autre tout l'autre mourir. Tout l'autre terre, tout mourir, ça tombe au bord du chemin, mourir, ça tombe dans mitan souci, dans mitan tout souci, tout fait, excepté un seul terrain, by fouille. C'est un seul terrain ça qui est sauvé. Tandis que dans tout le monde, dans tout l'autre terrain, il y a un seul qui te montré, pas dans rien même. C'est terrain, bon, la rue, il y a un lac, il y a un mange, il mourir, il monte dans le tout l'autre terrain au montré. Et vous bien aimer l'évangile, oui. C'est même genre en série de chrétiens, yo prend en série de monde, pas parler les chrétiens, yo envie faire l'évangile mais pas prêt pour payer le prix. Si vous prêt pour payer le prix, il faut que vous portez fruit de l'esprit. Et l'esprit des fois te dit ouvre bouche, cet esprit commence à travailler. Donc là on a le droit pour travailler. Pendant le travail dans nous-mêmes, chaque jour le travail dans nous-mêmes, la tremblons à la statue de Jésus-Christ et qu'on soit sauvé. Mais si on retire mon nom même, pas gagner le salut pour nous-mêmes. Pas éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Comme le saman de vigne porte la grappe de raisin, le chrétien porte ses caractères produits par l'Esprit. Vous comprenez? Lors on fouille, il n'y a pas. Il n'y a pas sauté pour contre les fruits, il n'y a pas développé pour contre les fruits. Il y a un sarment, il y a un pied bois qui baille les fruits. Il y a un rite là, il commence l'existence dans la source là, dans le sarment, dans la tige là, dans le ton, dans le cerf là. Il commence la ville là. Il prend tout échelon là. Il commence comme une fleur là. Il bourgeonne là. Il grandit là. Il prend maturité là, jusqu'à ce que le mature net, il prêt pour consommer là. Il n'est pas jamais détaché. Le jour détaché, ça veut dire prêt pour consommation. Depuis on fruit détaché, ça veut dire prêt pour consommation. Nous-mêmes, nous étions là dans la main du Seigneur pour le jour du Seigneur. Nous étions dans la main, cet esprit le travail dans nous-mêmes pour le jour du Seigneur. Ou pas qu'à détacher. Le fruit est vu comme le résultat direct de la vie de Christ. J'avais dit la sève, Jésus-Christ est la sève dans le chrétien. Et nous voyons ça dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Bon, nous voyons que l'air parlé du fruit de l'esprit, il n'a pas dit les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. Pourquoi ça veut dire le fruit de l'esprit? C'est-à-dire qu'il y a 9 caractères dans ça. L'auteur l'a dit,
L'utilisation du singulier suggère non seulement que le Saint-Esprit ne produit qu'une sorte de fruit, mais aussi que le résultat de l'action de Dieu en nous est global, harmonieuse, équilibré dans ses effets. Ça veut dire que c'est un coup où on parle en régime banane. OK? En régime banane, ouais, pâte banane. Yo. Et pour ouais, chaque petit grain de banane en de pâte. Là, on dit, banane moins prêt, on va le cueillir banane. On va le cueillir en banane. Ça veut dire, on va le cueillir en régime banane. C'est même genre le fruit de l'esprit, tu as dit région, en régime banane. Mais en deux régimes banane, il n'y a pas de pâte banane. En chaque pâte banane, il y a plusieurs bananes là-dedans. Ok? C'est ça qui fait parler le fruit de l'esprit parce que l'attente que nous font tout, nous font harmonie. Avec tout chrétien doit porter tout ça. Sous son chrétien, on doit rien ça. Ça va dire que tout, en grande quantité, dans chaque monde, mais chaque tout chrétien, là, ouais, on fouille pas dans nous-mêmes, on doit aller chercher parce que la vie normale, en chrétien, on doit porter fouille. Or, donc, on peut jamais gagner. Ouais, mais fouille l'esprit, tout le monde doit chercher pour porter toute fouille que Saint-Esprit a bâillé. Tout caractère de fruit de l'esprit. Un fruit, en contraste avec les œuvres de la chair. Ouais, il dit les œuvres de la chair, c'est-à-dire que le fruit de l'esprit. Ok? Il dit par opposition aux œuvres de la chair, dans Galates 5, verset 19 à 21, on s'attendait à l'exception les œuvres de l'esprit. La Bible ne parle pas des œuvres de l'esprit, mais l'apôtre parle du fruit de l'esprit pour montrer l'aspect intérieur, son aspect intérieur du développement de la vie nouvelle, dont la source est l'esprit de Dieu en l'homme. Son bagage est fait à travers, pas en dedans. Son bagage produit dans nous-mêmes. C'est pas où. Là où est les œuvres là, les œuvres, produites par l'énergie humaine. Ouais, c'est où qu'on parle fond action, les œuvres de la chair. N'est-ce qu'il y a des bagages où partie où fond action. Mais fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui germe dans nous-mêmes. C'est où on parle seulement de place pour les. Pour bon Dieu servir avec elle. Fruit à. Les pousser quand la blanche est restée au cep. Ouais. Si toute fruit a sorti naturellement lorsque branche là les connecté à cep là et mais branche là ba un fruit quand même lorsque le connecté avec ton bois et bois même les gon branche et dans branche là la ba un fruit. C'est ça allégorie ici. Ok, mais premier fruit, nous allons passer de l'Isodia dans neuf aspects, neuf facettes de fruit de l'esprit, les différentes facettes du fruit de l'esprit. Ok, premier, c'est l'amour. L'amour, mes amis, l'amour. Dans Galates 5, verset 14. Nous comprenons que toute la loi est contenue dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'Esprit Saint qui va verser dans nos cœurs l'amour même de Dieu. L'amour, mes amis, l'amour pour le monde, l'amour pour bon Dieu. Premier fruit de l'Esprit, c'est bon, l'amour. Avant, tu es raillé. Avant, tu es une haine, tu es jalousie, tu es orgueilleux, tu es ce quoi. Mais l'esprit bon Dieu bon l'amour ou carrément même ennemi ou même gain pitié pour ennemi l'amour et ça c'est un bagage le monde pas gagné les hommes font l'autre bagage il dit I will never forgive chrétien même bon Dieu doit pardonner ça c'est l'amour seulement qui permet de pardonner. Deuxième fruit de l'esprit c'est la joie. Quelque femme qu'on dit mon Dieu font-ils sourire pour mon qui est là. Nous connaissons toute fouille que Saint Esprit doit mettre dans nous-mêmes nous Satan challenge yo. Nous voyons qui jamais manqué l'amour qu'on y a. Nous voyons qui jamais manqué l'amour. Manqué l'amour. T'as qu'au en pile division qu'a fait chrétien blessé une autre. Mon dit ça y voulait c'est manque d'amour. Nous-mêmes nous veut bataille. Nous, on a lâché une lot à cause de manque d'amour. Et c'est ça le monde. Le monde, c'est fouillé à manger. C'est fouillé cet esprit à l'aimer ouais, dans le chrétien.
Gen moun ki konverti, se pa pou tèt anyon te dil. Se la vou li gade l wè fwi l'espri yo, el remè yo, e pi l vini tou. Nou pa gen la moun, dezyèm se la jwa. Pou ki sa ou plenyen kon sa tout jounen, tout nuit. Pou ki sa figou mari tankou 20 juin, 4 avril. La jwa. Chrétien ou pa pou Yanis non. Mon pa ba regle anyen regle anyen pou ou. Parce que c'est bon Dieu qui prend soin ou gen la joie ou happy donc si ou son monde des monde marche tout temps ou a plein ou dans l'amertume ou comme si ou sent ou stressé li pas on fouille de l'esprit ou demander bon Dieu pardon parce que ou doit gen la joie c'est monde qui a servi Satan qui gen qui doit comme si comme ça parce que Satan tu vas mettre exigence dans lui-même. Tout temps la faire exigence pour ka mettre pour ka piéger pour ka tout prendre dans mieux mais bon Dieu lui bon la vie éternelle descend c'est l'écrit monde l'a créé toute bagaille donc la joie qui subsiste au sein de la souffrance ne peut que découler ne peut que découler de la grâce de Dieu comme elle par exemple de la joie de notre salut nous avons la joie de notre salut dans Luc 10 20 et dans Psaume 51 il dit nous avons la joie de notre salut ou qu'on joie ou qu'on joie qui déborde dans nous-mêmes chrétien doit gagner la joie OK plein triste attristé n'est pas manifestation du Saint-Esprit c'est ça même Saint-Esprit vient faire pour boire la joie la paix bon on l'autre encore la paix Chrétien remet la paix. Chrétien cherche la paix. Chrétien bat pour faire la paix. Chrétien fait un sacrifice pour la paix. Chrétien remet la paix. Chrétien pas troublemaker, moun k'ap chèche problème. Li remet la paix. La paix. Elle désigne avant tout la paix avec Dieu. Voyons où est la paix avec Dieu. OK? Deuxièmement, on doit avoir la paix avec tête pour. Troisièmement, on doit avoir la paix avec tout le monde. On cherche la paix. La Bible dit vous cherchez la paix avec tous. Ouais. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Elle désigne avant tout la paix avec Dieu. La paix est acquise par la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on a la foi avec Jésus-Christ, pas une condamnation encore pour vous-même. Petit problème inimitié que vous avez avec mon Dieu, c'est fini. Vous avez la paix avec Dieu. Mais pas seulement arrêter là. OK? Si nous avons trouvé la paix avec Dieu, nous devons par la puissance de l'Esprit en nous nous efforcer à vivre en paix avec nos frères et sœurs dans l'église ou doit dans la paix tout. Quand au passé où son monde qui produit la paix, un monde qui cabouille, c'est pas un fruit de l'Esprit que lié ou remet la paix pour que l'unité de l'Esprit soit gardée. Par le lien de la paix. C'est ça qu'il dit dans Éphésiens 4, verset 3, pour qu'on puisse garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Côté que pas la paix, c'est yin hang, c'est yin a mangé l'autre. Il y a qui pas aimé la paix. Il y a qui saute la caillou. Il y a une réunion pour faire trouble. Mon pasteur a expliqué, mon réunion tête en bas, quelque monde fait avec elle. Vous même pas même prier parce que si vous priez bon Dieu rentrer dans bagaille là vous commencez à poser une série de questions tête en bas à pasteur parce que vous pas venir pour la paix avant réunion fini pasteur n'a dit OK place pas là encore retire comme ouais mon chrétien ou fait en pile ça fait en vue de la paix même leur font jugement ou fait en vue de la paix même leur font rectification fait en vue de la paix et faut payer bouchou en vue de la paix si vous voulez garder un mariage faut remettre la paix si vous avez quelque bagarre qui a fait compte ou pas de venir avec si vous avez tel sujet bail problème ou font gens ou passer loin sujet à parce que remettre la paix mais malheureusement il y a des gens qui pas remettre la paix et c'est ça que fait Satan servir en pile lorsqu'il a besoin d'entrer lui retirer la paix. De même, cherchons à vivre en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18 dit, cherchez à vivre en paix à tout le monde. Il dit, si c'est possible, il ne faut pas possible. Il faut obligé courir pour vivre en paix. Il faut obligé chaper pour nous, pour vivre en paix. Sous un côté la paix, on menace. Il faut demander bon Dieu côté pour m'aller parce que chrétien doit vivre en paix. Chrétien porter la paix. Ça fait, l'un à l'autre côté nous dit, la paix, bon Dieu, avec nous. Son bagage, porter, ou doit avec tout le temps. Pour que vous ayez la paix avec vous, vous devez vivre en paix.
Il y a une injustice, mon frère. Où est-ce que tu prends? Où est-ce que tu prends justice? Là, tu perds ça. Ça n'a pas rien. Pour qui ça? On cherche là. La paix. Ou courir. Il y a une insulte, mon frère, ou pas faire l'explication. Pour la paix. Ou toujours fait. Ou toujours fait. Et tant que chrétien, ou toujours fait. Sont capables pour la paix qu'à régner. Parce que sans la paix, le Saint-Esprit, pas de côté pour demeurer, le Saint-Esprit met habiter côté qui est en paix. Et là, on a la paix, elle permet que petit tout vive de la paix. Si on lève un côté, on a yap yap toute journée, on a fait coup de sang. Si on a vu, ou pas qu'on ait le fait ça, si on a vu comme ça, il y a une frémie. Parce qu'elle est trop zin, trop oui, oui, a fait la caille. Mais on doit produire la paix. Alléluia. Après la paix, la patience. Mes amis, ta à mes côtés, nous tous, à bas problème, non, c'est la patience. Auteur l'a dit, elle décrit la persévérance dans l'épreuve. Même le bagaille dû pour gagner persévérance. Longtemps, pas de patience même. Et qu'on y a, c'est dans le goût. Mais qu'on y a plus de patience, mais c'est dans le goût. Être patient, c'est savoir supporter, savoir attendre. Et savoir faire preuve de sympathie et de compréhension envers notre frère malgré ses faiblesses et ses péchés. Oui, c'est où doit prêt pour avoir patience, où doit attendre, il faut qu'attendre, son langage limité. Ok? Il faut avoir patience pour attendre. Les bons dieux travaillent avec vous, les bons dieux pourquoi, les bons dieux mettent dans l'épreuve. Ou doit gagner patience parce que bon Dieu quitte nous quelquefois dans quelques épreuves parce que le travail dans nous-mêmes travail patience là lui permet de venir gagner persévérance patience le travail dans nous-mêmes l'on gagne patience parce que bon Dieu l'a pris de long paquet les bon Dieu a fait bagaille pour il a arrangé pour toute l'éternité faut le passer bagaille l'affaire non paquet système est-ce que bagaille là pas gagne problème donc l'on prier bon Dieu demander l'on bagaille faut gagner patience faut gagner patience avec l'autre monde tout l'autre monde qui il peut être aussi fort, même j'avais qu'il faut avoir patience pour songer. Ou pas toujours fort comme ça. Ou pas toujours aimer prier comme ça. Donc, c'est un bagage quelquefois nous voulons. Nous demander au monde pour les gens que nous-mêmes, nous dépassons le procès pour nous venir. Mais nous voulons le monde du jour au lendemain pour être capable de fonctionner. C'est comme le monde qui est en pleine maturité. Il dit, en puisant de la patience dont Jésus a fait preuve à notre égard, usant de patience les uns envers les autres. Bon Dieu, prends patience avec nous, en pile. Moi, avec vous, si pas de patience, bon Dieu, avant réussi, qu'on y a, voulez marcher, si vous-même voulez marcher, bon Dieu, prends plus de patience avec vous. Et une fois, moi, étant que pasteur, moi, bon Dieu, prends trop patience à mon Dieu. Qu'il est à changer l'éternel, qu'il est, autant de messages, mais bon Dieu, lui-même, il prend patient, parce qu'il connaît. Dit qu'on travaille la fait dans nous-mêmes, on le travaille la qu'apprend cher. Et nous-mêmes, nous devons gagner patience envers l'un l'autre. Next, ça nous va laisser c'est la bienveillance. Bienveillance, auteur l'a dit, c'est la disposition d'accueillir favorablement dans son cœur l'autre tel qu'il est. La bienveillance recherche les occasions de faire le bien envers tous les hommes. C'est une disposition qui est. C'est pas pour accueillir favorablement, ok? Mais c'est une disposition pour faire bien, pour faire le bien envers l'autre monde. Ou qu'on est, les gens disent, tels sont bons mondes. Tels sont bons mondes. Un monde qui a un cœur sensible. Un monde qui a un cœur dans la main. Il n'y a pas un monde pour avantage sur l'autre comme ça, pas vrai? Là, c'est un monde qui est bienveillant. Mais n'importe ça mon qui arrive mon ne peut attendre c'est pas où bon pas autre qui répéter un tel va pas parler comme ça parce que ou bayon fouille que les la bienveillance avec une bonne disposition envers l'autre monde ou nice avec l'autre monde la bienveillance recherche les occasions de faire le bien envers tous les hommes il y a monde qui bon cœur ne peut pas arrêter c'est bien il y a plus à faire pour tout l'autre monde ou disposé mon a disposé par exemple lorsque on mon relo, comment passer semaine là? Mais qui gentil mon yoyé, et puis fin par la voix, il faut le faire silence.
Oui, mon programme t'a mon rentrer là-dedans. Mon programme m'a travaillé sur lui là et m'ta rien mon rentrer là-dedans. Mon chef t'a rien passé au qui l'on ka font ti parler. OK. Now. Est-ce que ou relèm pour m'demander qui janmié ou bien ou relèm pour vendre moi un produit, pour vendre moi assurance, pour vendre moi un programme pour faire m'entrer dans bagaille. Non ouais. Mais bienveillance, les mon relo c'est songe le songe. Les mon relo c'est besoin t'a rien mais qui jonye, m'a pas tendu quelques jours, comment y est, qui gentil mon y est. Ça, c'est la bienveillance. Mais si on bagaille, c'est pour où encore, c'est pour propre, c'est comme c'est son tac lié. Lorsque vous relez mon nom, vous avez dit c'est bienveillance. Oui, mon nom servi à bienveillance pour qu'il fasse ça le blé. Sans lui passer sous couverture, bienveillance, parce que vous tout le monde remet bienveillance. Tout le monde remet bienveillance. OK. Non l'autre, sixième nan, nan 8. Sixième nan c'est la bonté. Bienveillance et bonté, presque c'est même genre. Yo yé. Mais on petite différence, c'est que être bon, c'est être compatissant et faire du bien à son prochain. C'est même genre avec bienveillance là. Mais son l'autre caractère, quoi, c'est trois vertus de Christ, la patience, la bienveillance, la bonté, qui conduit au pardon. Bienveillance et bonté, vous êtes qu'à fusionner ensemble. Vous êtes à changer lui pour qu'à montrer, pour qu'à mettre plus accent dans bienveillance, prédisposition pour faire le bien. T'as compris qui prédisposition, la bonté que bah là réellement la manifester dans vous-même ou gain compatition, ou gain ou compatissant envers prochain ou et vertu ça yo patience, bienveillance et bienveillance et bonté de vous gagner ou pardonner. C'est un gentil de regarder Matthieu, chapitre 18, verset 21 et 22. OK? Bonté. Bon Dieu, son Dieu de bonté, de miséricorde. Là, on a parlé de bon Dieu. Ouais, c'est en contraste avec le diable. Si on parle avec le diable, on est fâché, furieux, qui parle en joie à mon. C'est comme ça le diable. Tandis que l'on parle de bon Dieu. Cependant, l'on parle de bon Dieu. Bon Dieu, c'est mon qui est aimable, secourable. Son bon Dieu, ou ben l'alcool, bon Dieu, moi do pardon, malheureusement, un peu le monde, yo piétiné la grâce de Dieu, yo trente bon Dieu, son bon Dieu, tout à fait bon Dieu passé par en bas, parce que y a, yo prend avantage sur bonté bon Dieu qu'on fâché, son bon quelier, mais qu'on fâché, et nous voyons quelquefois, il y a deux choix devant mon nom, les plutôt fait bon Dieu souffrir, les satisfont l'autre monde. Parce que le compte bon Dieu, son bon bonté. Bon Dieu. Mais bon Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Mais généralement, bonté. Là, on dit bon Dieu. Et je ne parle pas dans la Bible créole. Après, les autres Dieu, bon Dieu. Son seul bon Dieu a gagné. Tout l'autre, c'est. Il n'est pas bon. Tout l'autre Dieu n'est pas bon même. C'est seul un bon Dieu qui gagne. Et c'est Dieu qui voit seul petit lit sur le bois du calvaire. Vient mourir pour nous-mêmes. OK? Après bonté, nous gagnons la foi, ou bien la charité, la fidélité, la foi. Un chrétien, ou doit gagner la foi, ou bien dans le sens de la fidélité. Être fidèle, c'est être loyal et fiable dans nos affections, nos pensées et nos engagements. La fidélité et la confiance constituent le fondement sans lequel la société, le couple, la famille ne peuvent subsister. La fidélité. La fidélité, c'est ça qui fait m'kabo garder un petit monde pour moi. C'est la fidélité, c'est ça qui fait m'kabo faire un travail. La fidélité, c'est une sorte de sérieuxité que lié en loyauté, au fiable, au monde de confiance, monde quoi, monde quoi, monde qui a mis confiance. C'est pas quelque chose qui dure lorsqu'on monde viole confiance au monde. Confiance, c'est bagay. Après le monde, il tellement pris un coup, il n'y a pas quoi, pièce pour encore. Il n'y a pas de pièce pour nous. Il n'y a pas quoi, maman, il n'y a pas quoi, papa, il y a tellement de monde qui coup. Et malheureusement, nous regardons que les chrétiens n'ont pas coup. Nous avons regardé un programme récemment. Et point d'accord, que un programme que moi-même, chaque semaine, nous regardons, moi avec madame, moi, monsieur, ça, il est marié avec une fille. Il fait tout bagaille dans pays ça il fait la dot la lèl pays dot il fait mariage traditionnel il fait mariage religieux les mandel côté parents dit parents mouri
Là, on demande seulement qu'il y a un monde dans la présentation, on le paye, on acte. Et puis, c'est après un temps, fin marié, après combien de mariage, fille à pas prendre, monsieur, qu'on l'autre famille totalement. Côté le contraire avec elle, monde l'église, monde responsable l'église. Dans, par contre, c'est son militaire lié, dans sortie, il faut l'onté, monter, descendre, il a la mission ici, l'autre bord, là, vivre dans deux familles comme ça. Dans l'autre famille, même, il y a même trois petites. Non, quand l'homme fait un bon coup comme ça, mes amis, tout le monde net, lui, ouais, lui peut bien, lui peut, you know, you're afraid of getting close, ou pas, vous avez prière, monde. Ben, il y a quelques fois, ouais, que pasteur, ça arrive en pile pasteur. Il y a un pasteur qui vient de peur, qui vient de peur, monde. Quelque chose, ça, il dit, monde prend mal. Quelque chose, n'importe ça, qui veut tout le monde prend pour l'autre, monde, il quitte, yo. N'importe saluer tout le monde net la sur yo. Ou bien quelquefois on monde capable l'église on a quitté l'église sans raison ou pas faire mon rien mon n'a que walk away ou toujours prendre what's going on ou pas comprendre mon cerveau en tête donc ça pas seulement pasteur toute qualité monde là ou bien avec un monde pour mon agir en tête ou te penser mon en amour et puis le faire mon nom. Ou tant de bagaille mon nan dit ou bien action mon nan fait ou bien vin ou mon nan ta pas avantage sou même ou bien mon nan pas loyal. C'est ça qui manque la fidélité. Et nous espérons ça dans le monde. Mais l'on est un chrétien, l'on un chrétien qui dit moins converti. Et puis mon nan parole li par la vérité. C'est tête chargée. La foi ou la fidélité, c'est être fidèle, c'est être loyal et fiable dans nos affections, dans nos pensées, dans nos engagements. Fidélité et la confiance constituent le fondement que la société, c'est pour société formée, il faut nous croire une autre. Pour un couple, il faut nous croire une autre. Pour nous acheter, pour nous faire interaction avec une autre, il faut nous croire. Et la famille même pas capable de vivre sans que pas gagner la fidélité. Nous jurer fidélité une autre. Bon, mon lot encore. Enfin dernier, c'est huitième, non, c'est la douceur. Qui a fait rough comme ça? Qui a nous fait pas maniable comme ça, chers frères et sœurs? Qui a nous fait mal élevé? Qui sont chrétiens fait mal élevé? Pour le Saint-Esprit, non, même pour mal élevé, pour beau sale. Qui sont chrétiens fait beau sale pendant que le Saint-Esprit a travaillé dans nous-mêmes? Un esprit humble, un esprit de paix, un esprit suave comme ça. Ou qu'on est, chaque soir fait, ou refléter qui esprit qui influence eux. Donc, souvent les êtres chrétiens et réaction à bail, c'est réaction Satan et pas réaction cet esprit ou pas chrétien. La Bible pas reconnaître monde, la Bible dit pas reconnaître un monde par les performance ou reconnaître un monde. C'est pas performance qui j'aime mon nan gain habilité, c'est pas par qu'on ça reconnaître un monde. C'est pas par performance, comment par fouille caractère que mon nan remettre là. Sur la douceur intérieure, synonyme d'humilité, un monde qui humble. Un homme humble animé d'un esprit de douceur ne se préoccupe pas de son honneur. Au maître haut, pas sentir wow, mais il se soucie de l'honneur de Christ, de s'allier, ou pas qui choye passer ça. Moi, saisi, je suis bien content que bon Dieu fait à l'école, puis je fais quelques bagailles. Réellement, je pas fait souci de bagailles, ça y est, même saisi, moi, même mon qui pas derrière, si ça y est, mon qui pas derrière, si ça y est, moi, quelques fois, y est enflé. Même pas pour qui raison. Pour mon enflé. Bah, pour qui ça pour mon enflé d'orgueil? Est-ce qu'on a une capacité? Ou bien on a un petit moyen? Etc. Au contraire, force un monde, il doit marcher en proportion à humilité. L'homme humble, imagine Christ, le chef suprême, lui qui te parlait d'ivoire, et puis il descend sur la terre, et vient faire l'on seul. Avec les hommes, c'est quelque chose. Ouais. Oh, la douceur. Où doit gagner? Où doit être douce?
Ou mwen, ou dwe douz, lò pon chon bagay ki pa douz, lò pon zon ki pa douz, son fon vwe, chèjite. Lò douz ta, tout moun vle manjou. Kite m di nou, le moun reme wè fwi de l'esprit. Sa le moun rayi wè nan kretien, se apè de moutrel don son pa moutrel fwi. Se la konfuzyon ni. A vin pale, chante bien bagay kon sa, li gado blan de zye, li do, an hipokrit. Ou pale bagay la ou pa fel. Ok? Men lè lwè douceur. Si on moun konnen, on li do konnen, on kon moun ki douz, on moun ki eb, on moun ki pa ronflan. Ouais. Même le ou fè diskisyon doctrinal avec moun, ou pa mal élevé, ou nice, ou sweet. Kapil le moun ki gen plus sweetness ke moun kretien. Hein? Si nda pran rit la, pou moutre nou ki jan bay sa bay problem. Moun ki pa sweet. Le Saint-Esprit nan ou même ou pa sweet. Ok, dernière, la maîtrise de soi. Neuvième aspect du fruit de l'esprit, facette du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Ok. Cette vertu consiste à placer notre vieille nature pécheresse sous le contrôle de l'esprit et à ne pas accomplir les désirs de la chair. Ou bien, ancienne nature là, qui l'a, à chaque fois, gon opportunité qui rive ancienne nature ta remen régler ça pito mais qu'on y a nouvelle nature que ou même nan c'est cet esprit qui bosse li cet esprit doux mais qui gens pour régler ça la chair là lui même li vup, la chair là ouais la chair ngay un monde calé Haïti et puis la fini yon moun apé nan bay longtemps mon abgoum avec pour porter mallette là pour lui il dit non quitter mallette moi là quitter mallette moi là quitter mallette mon rapper mallette là bagaille comme ça il dit monsieur quitter mallette là ou pas besoin aider me tant pis monsieur mon a dit mon non seule parole il est tel bail pour chrétien tellement fâché il t'a dit tel bail pour toi on essaie lâcher c'est comme ça lâcher t'a réagi mon a fin fait le fâché il pas mandé au service sur bagaille plus jouer encore. OK, il fait l'énerver plus il joue il. Ouais, ça attend toujours battre pour faire passer. Mon a confessé ça, il par contre l'elle dit ça le dit. OK, c'est même gens chrétien ou même tout temps pour agir, gon gens naturel, la chair là c'est naturel. Ou voulez, mon a pas pour, mon a double vous double pas ouais mon a fini pour le fois pour comme si vous montrer mon pas fini, ou pas fini. C'est comme ça la chair travaille. C'est toute journée l'esprit Abdou fait ça en façon différente. C'est aussi la retenue par rapport à la colère, aux paroles, aux désirs, à la passion pour l'argent et le pouvoir. Donc, ou qu'on contrôle de soi. L'homme qui contrôle de soi, même mange ou pas de manger trop. Ou pas fait colère. Colère là, ou qu'on est ou emporté par colère, ou dit, bah, ou pas de dire, ou boit colère là. Ou pas divier parole parce qu'on contrôle de soi parole qui se tient dans bouche ou mettre les ou qu'on a gagné mon qui tout a dit mon sorry pour ça été dit sorry pour ça été dit parce que y a gagné diarrhée verbale y a pas qu'à contrôler ça qui sort dans bouche li gagné tant sorti qu'on y a c'est laisse à dire oh gars ça me sort dit qu'on y a sorry m'bat de dire ça sorry toute journée mon a sorry retourner dans salle te dit pour ça pas contrôler l'envol sorti parole là gagné trop droit sur eux même. Ouais, au désir de passion, pornographie, l'autre passion yo, ou pas capable, ou man gen chrétien, sont là l'argent, les chrétiens ouais l'argent tête yo. Gen chrétien, depuis de loterie a monter haut, yo commencé jouer. Comme si il a yo gon passion, pas fait bon Dieu fâché, ou gen maîtrise de soi. Ou gen maîtrise de soi. Et le Saint-Esprit est d'où ouais les bagages vini pour quelque temps. Freiner. Lorsque maîtrise de soi, on ne peut pas prendre n'importe quelle lumière rouge. Depuis la lumière jaune, on est campé. Cet esprit est d'eau pour la lumière jaune. Mais le bagage maîtrise de soi, on entre dans toute lumière, dans tout carrefour. Comme si il n'y avait pas de trafic de circulation. On entre dans tout carrefour, j'en veux. Mais cet esprit, lorsque maîtrise de soi, on toujours regarder. Est-ce que le vert, est-ce que le jaune, est-ce que le rouge? Paul souligne les 9 valeurs, la valeur de ces 9 facettes par ce cliché. La loi ne condamne pas ces choses. La loi remène, les hommes remènent, la société remène. Si nous avons un problème, c'est parce que la société n'a pas joint assez fruits de l'esprit dans nous-mêmes.
Nous mettons à genoux dans pied nos chrétiens. Tant pour ici, nous voulons faire un gros exemple pour mon Dieu, démontrer fruit l'esprit. Tout le monde remet fruit l'esprit. Même si vous ne voulez pas entendre la parole de Dieu, fruit l'esprit, goût. Vous ne voulez pas mettre fruit, exotic fruit. Quelquefois, moi, je mange quelques fruits, je mets un goût. Je mets fruit. C'est une chose qui me manque plus en Haïti. En Haïti, nous avons toute qualité de fruits. Que nep, si, well, mango, mon bain, caïmite, cachiman, corosol, mango, même, nous avons toute qualité. Nous avons fruits, nous avons mangé, nous prenons, que nep, qui fruit encore. Pas que notre fruit, qu'on n'a que, nous prenons ananas. Pour cerise, pour ça qui s'arrête la caillou, grenadia, ou bien, on sait de fruits, on mange, fruits, ils ont un goût succulent. Tout le monde remet, ou pas, pas un monde qui a une discrimination contre fruits, tout le monde remet fruits. Si vous avez fruits de l'esprit, la plus facile qu'on y a là, on voulait démontrer don de l'esprit. Les dons, bon Dieu, voilà, les jeunes fruits, c'est ça qui fait. Non, Éphésiens, non, 1 Corinthiens 13, la Paul dit comme ça, si nous t'as parlé le langage des anges, ça t'a fait. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si nous t'as eu la foi pour transporter la montagne, les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et puis l'amour, la charité, la charité qui gêne la charité, il n'est pas envieuse, il n'est pas faire de mal, il n'est pas soupçonner le mal, elle croit tout, elle espère tout. La charité que bon Dieu voulait pour gagner. Malheureusement, non plus ta main fait chalbet. Au nom de Jésus guéri, ou même passer là, ou même faire ça, pour passer mon lot, et pour oublier le fruit de l'esprit. En plus, femme a dirigé l'église. Puis le problème moi c'est même quand on a c'est mon pam c'est Jean lui veut traiter l'autre monde yo. Ou pas doit traiter ou doit sweet ou doit sweet avec l'autre monde. Et sous un environnement pas qu'à sweet faut quitter environnement parce que ou doit être douce. C'est ça ou doit changer. Dernier ça ou doit changer de même ou son monde qui était douce. Quoique quelquefois on a besoin sévère mais caractère ça qui fait ça qui fait grand point de caractère ou son monde chouette ou bien bon gens. Et mon a dit ça de vous-même. En conclusion, c'est que ce que l'esprit fait dans votre être intérieur se voit à l'extérieur. Ça, l'esprit a fait dans l'intérieur, il voit à l'extérieur. Par rapport à mon menti, ce n'est pas un fruit de l'esprit ou pas un Saint-Esprit. Parce que dans yo, il est capable de faire c'est naturel dans il est capable de faire superficiellement il y a un monde qui a un bon talent c'est pas réellement don capable à manifester puis il a fini il pas manifester de bon cœur son bagage bon Dieu bon et pour sortir dehors avec elle on faire pas avec elle donc c'est pas un don yo pour nous plus chercher c'est pas qui ça me ca fait kounya qui ça me ca fait kounya quand ça me ca fait quatre puissance moi gain c'est pas ça regardez l'autre ton monde, est-ce que mon nom ou gagne fruit de l'esprit? Fruit de l'esprit, est-ce que cet esprit satisfait? Le Saint-Esprit, pour la tristesse, les louets, c'est pas don ou non, l'on pas manifester, non, les louets ou pas porter fruit. Parce que les gens grappent fruit de bain, d'attendre dans l'évangile, les sortes de bain ou grappent fruit, les sortes de quitter suspendre bain menti, les sortes de suspendre coquin, ou de suspendre, ou de monde sérieux, bain de stand, les sortes de suspendre fessement, ou de sortes de suspendre. Non, compte à tout le monde. Laisse-toi suspendre ta page. Laisse-toi être douce. Et puis, les arrivaux par jambes douces. Laisse-toi être dans ton pied bois. Laisse-toi être prêt pour maturité. Ou si tu l'as fait, tu fleurs toujours. Ou si tu l'as pété vie. Ou si tu fous pété vie ou pas développé. C'est ça lié. Lorsque tu n'as pas le fruit de l'esprit. Tu n'as pas besoin de sortir de l'esprit. Tu n'as pas besoin le fruit de l'esprit. Il faut manifester dans le même pas douce ou pas un fruit amer, fruit à gâter. Donc il faut que vous mettez le fruit, l'organe, le fruit de l'esprit, il faut que le douce soit réellement du Saint-Esprit. L'expression le fruit de l'esprit indique une action surnaturelle de Dieu.
Ce n'est pas bon Dieu fait. Bon Dieu fort comme ça. Il n'est pas naturellement comme ça. Ce n'est pas caractère maman, ce n'est pas caractère papa ou gain. C'est le Saint-Esprit qui change. Et moi, j'aime, ouais, le monde qui a un changement radical. Ça veut dire, le monde qui connaît qui est le monde. Ou tu connais à un tel ou pas de capran. Pas de capran chance à un tel. Et puis, bon Dieu, changez mon nom. Même mon nom, tout le monde te paye. Tout le monde saisit un tel. Bon, le monde qui convertit un tel. Un tel. Pour lui. Nek ça, c'est marcher là, marcher casé brisé. Non, c'est bon Dieu dit comme ça. Non. Pas obligé ça, il change, moi change. Donc, les mots de mettre sur, il faut qu'on change. Ok? L'expression du fruit de l'esprit, c'est d'indiquer une action surnaturelle de Dieu, et une action qui fait globale, englober tout au même net, et touchant tout l'être harmonieusement équilibré dans tous ses effets. Avec dit, tout chrétien doit gagner fruit de l'esprit. C'est pas sélectivement gagner le fruit de l'esprit, ou de gagner fruit de l'esprit. A fonctionné totalement. Quand on manque, demandez bon Dieu. Soit on manque patience, soit on manque foi, on manque fidélité, soit on parle par la vérité. Ouais. Ouais. Même mon monde qui vient de l'église, ou infidèle, ou il vient de travailler, allez, l'on vient de l'église ou pas, allez. Et on fait ça tout le temps. Chaque temps, on a rendez-vous à bon Dieu, on choisit l'offre. Mais là, on parle dans l'autre bagaille, on connaît, on respecte le. On pense, bon Dieu, on pense, notre ça. Vous pensez que ça va blesser mon Dieu? Mon Dieu blessé. Parce qu'on n'est pas fidèle même avec lui. On n'est pas fidèle avec parole. Ok, ils font un travail global, touchant tout l'être harmonieusement, harmonieuse. Tout l'être. Et puis, la finition, c'est harmonieuse, équilibré dans ses effets. Et puis, fruit de l'esprit, elle est progressive. Tout au long de la vie, tout le temps, on produit fruit. Il y a fruit par en abondance qu'on y a, on prie. Vous priez, vous êtes dans la volonté de mon Dieu, vous venez vous porter plus fruits, porter plus fruits. Don sont l'autre bagaille, vous avez un grand don. Mais fruit de l'esprit, neuf ça vous doit toujours dans la vie. Et puis il est fini, le fruit de l'esprit a porté tranquillité, il faut attirant, il faut un monde qui paisible. Tant pour les chrétiens, suspend, faire le monde, parler l'évangile mal. Ça y a cherché dans mon nom, c'est fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. Mon a gen droit pour joindre fruit de l'esprit. On va tirer, on va demander le vin joindre Christ. Qui sort vous montrer? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que c'est pas vous qui plein plus? Et c'est pas vous plus partager notre travail là? Et pour demander pour mon a vin joindre? Est-ce que vous fidèle? Est-ce que vous pas cotiser tout le monde dans le travail là? Et pour demander pour mon a vin joindre? Ouais. Donc, est-ce que vous êtes un qui remet l'argent, ou un contrôle de soi, l'on fâché, ou gâté, ou fait, ça va rien après ça, béni soit l'éternel, est-ce que vous n'avez pas fait ça? Eh bien, c'est inconsistance, ça, yo, qui fait que vous aurez été loin l'évangile. Donc, c'est ton plaisir pour nous étudier. Le fruit de l'esprit, moi, étude là, t'es bon, pas de prendre trop, parce que les papes courir, le pas bon, courir. Et madame m'a dit, il est plus bon pour nous prendre temps. Donc, je retire en pile. L'étude, ça a pile plus de bagages là-dedans. Mais je retire en façon de me prendre le temps pour moi de faire ça. Donc, l'étude, ça m'a servi, je veux dire, d'aller en ligne avec le premier monde que j'ai étudié le Saint-Esprit avec là. C'est Bruce Cameron. Mais chaque semaine, nous avons fait une étude. Nous quittons l'étude Bruce là, mais nous prenons le titre Bruce là. Non, à l'échelon de Bruce là, nous avons notre dixième, nous avons notre huitième leçon qu'on y a là, pour nous parler le fruit de l'esprit. Et semaine prochaine, nous continuons toujours, n'importe ça, Bruce, ça prend, ça nous prend l'étude là, ou bien nous prenons l'autre étude qui est dans la même ligne là, pour nous capables de finir ensemble avec Bruce, dans le même genre, l'étude canalisée, étude sur le Saint-Esprit. Donc, étude ça que nous sommes là, écrit par Pierre-Yves Charrière, il est publié dans promesse numéro 180, et avril et juin 2012, ça a été écrit. Et si vous voulez aller pour joindre Paul, l'adresse là, c'est dans promesse.org, le fruit de l'esprit. Alors, allez, on peut aller plus large que moi, faire, moi, simplifier, mais quand même, moi, c'était le mot de Pierre-Yves Charrière. C'était une bénédiction pour nous-mêmes. Et nous, right on time today, nous voulons connaître que rencontre ça. Vous faites chaque vendredi de 7h30 à 9h PM
les fêtes pour l'église Christ le Rocher. Mais nous-mêmes, quand nous finissons, nous diffusons les afin que les gens qui sont early bird, les gens qui sont pressés, les gens qui 5 minutes, les gens qui sont là, ils ne peuvent pas voir. Parce que quand on est eux c'est pas pop qui recevoir. Donc, on va voir. Si on est là, ça finit. Si vous avez une question, vous pouvez texter moi dans 617-291-3559. Tant pis. Même si vous n'avez pas patience avec moi, le téléphone, moi, je vais ça là, c'est mon téléphone appelé lié. Si vous connaissez, moi, prenez mon autre téléphone. Mon téléphone, ça, temps en temps, chaque fois, ça me check, mais ce n'est pas un téléphone ordinaire, moi. Donc, si vous avez un téléphone, ou bien vous avez un texte pour moi, je peux vous joindre quand même, mais je peux retourner au texte là, même s'il n'est pas dans l'immédiat. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. Ok. Et nous connaissons que l'église a nous gagné un deuxième service qui est fait en anglais. Et nous ne pouvons pas parler de ça, mais en deux semaines, nous gagnons lundi, mercredi, 7h30 pour 9h30, nous gagnons étude biblique, nous gagnons réunion de prière avec pasteur Jean-Claude. Et pour participer à la dernière, c'est à travers Conference Call, c'est 774-217-6502. Les réunions à fait, nous gagnons monde Floride, nous gagnons monde dans tout partout, Georgia, New York, qui participent dans l'étude là, dans la réunion. Donc, vous pouvez participer tout. L'arrivée dans une zone 9h, parce que Jean-Claude m'a identifié au nom de début prière afin que vous soyez capable d'aider dans la prière. Chaque vendredi de 7h30 à 9h, c'est l'étude biblique ça là, c'est l'heure officielle là, vous pouvez capable garder l'ovelé. Dans ce samedi, nous avons une activité qui va nous faire à l'église, c'est pas Zoom, et la jeunesse à l'église, les enfants à l'église. Mais les dames qui fêtent de 7h30 pour 9h, les mêmes, c'est à travers Conference Call 774-217-6502. Et dans dames, dans tout, nous avons des gens qui Tennessee, nous avons des matins qui Tennessee, qui Gadel, Nashville, nous avons des maman qui Floride, qui Gadel, donc qui participent avec dames. N'importe quoi, où vous avez Haïti ou participer avec Damio, c'est de 7h à 9h chaque vendredi. Et puis, la fin, parfois, que Damio a évolué et étudié la Bible, fait pile bel travail. 774-217-6502. OK? Nous-mêmes, nous ne voulons pas connaître que nous avons un programme en anglais qui fait. Nous avons deux services chaque dimanche. Une qui fait de 9h. À 11h, nous faisons le matin, de 11h à 9h, français, créole, et nous passons un bon moment. Mais à 11h, nous finissons le premier service là. Le deuxième service là, il commence de midi ou 2h. Et nous avons levé 2h là, frère. Donc depuis 1h30, nous avons fini plus foyer. Mais nous mettons 2h pour, au maximum. Et nous avons un service qui fait en anglais. Et Seigneur, bénis-nous dans ce sens là. Tout le monde qui vient, yo édifié à salut. Adresse nous, c'est 15 Carrie Street. Brockton, Mass, 15 Carrie Street, Brockton, Massachusetts. Donc, on attend nous, visitez-nous et vos petits commentaires pour nous. Dites-nous si vous bénis dans le son. Et parce que nous voyons, nous mettons notre website. Nous avons un website là, c'est pasteurmarcsimeon.com. Pasteurmarcsimeon.com. De pouvoir la donner, on va entrer, on va regarder étude ça, on va regarder tout ça. Nous mettons, nous avons pile en pile, plus de 300. Pour le programme radio de plus de 325 déjà, programme qu'on a gardé, message qu'on a gardé. Donc, nous avons travaillé et si nous mourons aujourd'hui, nous ne pouvons pas regretter parce que nous quittons pile matériel derrière nous pour nous capables de servir le Seigneur. À nous prier. Seigneur, nous merci pour grâce. Merci de ce que nous devons passer une autre temps dans la présence où rendre possible. Et merci, Seigneur Dieu, de ce que je dis à la papa chéri. Nous avons la présence encore pour nous finir avec, et pour nous capables finir avec étudier ça pour aujourd'hui, le fruit de l'esprit. Fait que le fruit de l'esprit qui a germé dans nous-mêmes. Nous tous parfaits au complet. Parfois, nous avons fait moi et nous, pas fait moi et nous, dans l'autre. Tant pis, aidez-nous. Bah, nous, compréhension pour nous connaître côté où nous voulons travailler. Sur qui ça nous doit travailler. Si nous garder autour de nous, est-ce que fruit est développé? Peut-être que nous avons un discernement pour nous, qui soit le fait dans nous-mêmes. T'en prie avec nous, dirigez-nous, nous prions. Ce n'est pas parce que nous sommes bons et justes, nous méritons. Nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, c'est ton plaisir. L'aime fini. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bon moment. Et d'après, semaine prochaine, au petit bonheur, jusqu'à ce que nous finissions.
avec étude sur le Saint-Esprit. Bon Dieu bénis-nous.